Barban. Les Mirador, c'est Barban. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Voilà donc, je le mentionnais tantôt, c'est carrément la sulfateuse. Nous dit Talibé ce matin que le ministre secrétaire général de la présidence de la République a sorti contre le président de la commission de la CEDEAO. Citation, c'est un manque d'élégance. Je ne pense pas, à mon humble avis, qu'il soit la bonne personne pour donner cette leçon à la Guinée. Et on va justement en substance écouter Colonel Amara. Et derrière, nous nous retrouverons pour commenter. Avec beaucoup de modestie, que ça s'appelle un peu de manque d'élégance et de respect même pour l'institution qu'on représente, quand on se permet de prendre la parole au nom de l'institution sans pour autant en lieu et place de l'institution parler. Le CNRD et son président se sont prononcés sur une durée de la transition. Souvent, quand on est dans la passion, on peut perdre la raison et c'est trompé de cible. Il est quand même important à un certain niveau de responsabilité de dépassionner le débat et aller dans le sens de la responsabilité. Nous sommes dans une transition qui mérite beaucoup d'attention et cette attention voudrait que nous fassions attention à tout ce que nous pouvons dire, à tout ce que nous pouvons faire, surtout quand on parle d'une institution. D'ailleurs, parlant spécifiquement de M. Brou, je ne pense pas à mon humble avis qu'il soit la bonne personne pour donner cette leçon de respect ou de quoi que ce soit à la Guinée. Et dans la mesure où lui-même, bon, je pense que son mandat est à questionner par rapport à la CEDEAO. Et je vois mal quand on ne peut pas se donner une certaine violence, une certaine rigueur à respecter son mandat ou à faire respecter son mandat, comment on peut parler à autre personne pour dire faire ceci, faire cela. Ça s'appelle justement un manque d'élégance. La CEDEAO, c'est une institution respectable que la Guinée respecte. La Guinée, c'est un pays qui a participé à la création de la CEDEAO. Nous respectons les idéaux et les valeurs de la CEDEAO. Nous dissocions également la personne de M. Kassibou de la CEDEAO. Voici donc la réaction hier du colonel Amara. Et nous arriverons tout à l'heure au ministre Ousmane Gawal aussi. Cabinet Fofana, dans la forme, rapidement, est-ce qu'on peut reprocher justement à Kassibou, président de la commission de la CEDEAO, d'avoir rappelé les principes en termes de tenue d'une transition? Et puis, dans la forme toujours, les deux porte-parole du gouvernement et de la présidence qui sont en un même lieu et qui évoquent ces sujets à la place du ministre des Affaires étrangères, est-ce qu'il y a violation de part et d'autre de la forme même de l'exercice auquel ils se sont prêtés hier? Mais il faut contextualiser en disant que le 30 avril, le colonel Mamadi a donc fait une allocution où il a dit que 39 mois donc, de proposition de durée de la transition avaient été obtenus. Et le 10 mai, ce qui se passe, c'est que Kassibou, qui donne une interview à Africa 24, dans laquelle interview, on lui a posé la question sur les transitions. Et il a dit, de façon générale, il a fait un rappel de principe. Ce rappel de principe était de dire que la CEDEAO ne s'inscrit pas dans la logique de transition qui dure, parce que celle-ci, disons, ces types de transitions-là ne sont pas en réalité à confondre à des mandats, parce que vous avez des pays où vous avez des mandats de 5 ans, vous en avez d'autres de 7 ans, si vous avez... De 4 ans, et donc des mandats de transition, des transitions plutôt qui dureraient et qui donneraient... Près de 3 ans ou 4 ans, ça s'apparente carrément à un mandat. Et donc ça, c'est un principe de la CEDEAO. Et le président de la commission de la CEDEAO qu'il est, a ce droit de rappeler ce principe-là. Donc ça n'avait rien à voir, par exemple, à la proposition qui avait été prise, même si, de toutes les façons... Il n'a pas annoncé de décision, il n'a pas dit la Guinée est sanctionnée désormais. Il n'a pas non plus. C'est tout cela, il n'a rien dit de tout ça. Et mieux, Kassibou est dans la logique, elle est dans la logique de la CEDEAO. Et ce rappel-là, tout le monde le connaît. Bien. Ce qui se passe, que c'est seulement le 12 mai que le CNT a donc adopté les 36 mois. Donc, dire aujourd'hui que M. Kassibou n'est pas en réalité dans la mesure, n'est pas habilité, n'est pas l'exemple, à parler de la transition. Ce que je ne comprends pas, c'est que c'est l'opportunité même, c'est l'opportunité de faire une conférence de presse. Et tout à l'heure, vous parlez de la forme. Si même il y avait une opportunité, est-ce que les deux étaient les mieux placés à la place du ministre des Affaires étrangères? Deuxième aspect de la forme. Troisième aspect, les deux en même temps aussi qui se retrouvent. Quand je parle de l'opportunité, c'est que pour le moment, la conférence des chefs d'État n'a pas encore été faite.
Je pense que l'ordinaire, la conférence ordinaire se fera en juin. Est-ce que c'est au cours de cette conférence-là qu'on va parler du cas guinéen, malien et burkinabé? Pour le moment, les chefs d'État ne sont pas réunis. Bien. Pourquoi perdre autant de temps à faire une conférence de presse où le président ou le porte-parole du gouvernement et le porte-parole de la présidence de la République se mettent en commun? Ce que je ne comprends pas là, c'est qu'ils se mettent en hypotension. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le porte-parole de la présidence de la République porte la parole du président de la République. Ouais. Normalement, c'est lui qui est censé venir corriger une erreur, par exemple, que le porte-parole du gouvernement ferait. Mais si les deux se mettent comme ça en scène, qui va, par exemple, jouer les adjuvants? Et c'est là où je ne comprends pas. Et quand je parlais tout à l'heure d'opportunité, c'est qu'il faut attendre que la CDA, que la conférence de chefs d'État ait lieu, que des sanctions, par exemple, soient prises, puisque d'ailleurs, le colonel Amara le dit, que Cassie Brou n'est pas habilité à en parler. D'ailleurs, il fait référence au fait que Cassie Brou, le mandat de Cassie Brou étant terminé. C'est vrai que le mandat de Cassie Brou est terminé, mais il n'y a pas encore, le prochain n'a pas pris fonction. Et quand c'est ainsi, il va continuer à exercer, sans compter d'ailleurs les répercussions d'une telle sortie médiatique. Bien. Du point de vue diplomatique, il faut rappeler que Cassie Brou est un ancien ministre des Affaires étrangères ivoirien. Oui, Talibé, Barry, là-dessus. Cette sortie était opportune? Moi, je me demande bien, comme Kabine l'a dit, en pareille circonstance, il faut avoir une stratégie de communication. Ouais. Peut-être le porte-parole du gouvernement peut-être en parler, si c'est opportun. Encore que... Mais à la place du ministre des Affaires étrangères. Oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que le ministre des Affaires étrangères, il est sectoriel. Le porte-parole du gouvernement peut s'exprimer de façon générale pour donner l'avis du gouvernement sur une problématique, mais vous mettez tous vos œufs dans un panier, c'est-à-dire que le gouvernement parle, la présidence parle, et finalement, qui corrigera quoi? Exactement. Ça rappelle un peu la lettre que le président lui-même avait adressée à la CEDEAO pour récuser l'idée d'un médiateur. Et à l'époque, on avait estimé qu'à la limite, c'est le ministre des Affaires étrangères qui devait faire cet exercice, et ensuite, la présidence corrigerait s'il y avait lieu de corriger. Donc, on met tous ses yeux dans un seul panier pour s'attaquer à une personnalité qui, pourtant, comme on dit, c'est pas parce que... Et dans son rôle. C'est pas parce que tu as une plaie que les mouches ne vont pas, justement... Évidemment, s'y coller. Se poser dessus. Oui. Il y a trois transitions en Afrique de l'Ouest. Il est du droit du président de la Commission d'en parler, de rappeler que... Les principes. Qu'une transition ne saurait durer le temps d'un mandat électif. Ouais. Donc, ils se sont, à mon avis, gourés. Et c'est le terme un peu, très peu amenant qu'ils ont utilisé vis-à-vis de Cassie Brou, dont ils questionnent même le mandat. Il faut rappeler que Cassie Brou n'attend que... Et peut-être même la moralité. Oui, Cassie Brou n'attend que le prochain sommet des chefs de l'État de la CEDEAO pour quitter parce qu'il vient gouverneur de la BCAO. C'est aussi clair que cela. Ouais. Donc je pense c'est son ancienne institution. Est-ce qu'ils ont cette info-là quand même? Oui, justement. Que le monsieur Giesto va à la BCAO. Oui, avant de s'exprimer, on doit... En fait, le secrétaire général de la présidence, porte-parole du gouvernement, de la présidence, s'il n'est pas informé, ce n'est pas de notre faute. Je pense que ce n'était pas très adroit de parler de la sorte et de prendre en chasse le président de la commission de la CEDEAO qui, jusqu'à preuve du contraire, ne fait que son travail. Rappeler les principes qui gouvernent l'organisation. Et pourquoi le ministre secrétaire général de la présidence, porte-parole de la présidence, aime toujours être là où le porte-parole du gouvernement est, justement? Mais en plus, c'est pas la première fois. Et ça ne se doit pas. Par rapport aux opérations de récupération des biens, ce sont les deux également qui ont fait une sortie sur le plateau de la RDG. En plus, j'aimerais dire que quand on prend un peu, pour faire un peu dans le parallélisme des formes, c'est que le ministre des Affaires étrangères est celui en réalité qui aurait dû répondre à une simple interview de Cassie Brou. C'est pas le porte-parole du gouvernement, encore moins le porte-parole du président de la République. C'est quand même l'image. Ils sont en dessus quand même. Exactement. C'est le ministre des Affaires étrangères, comme Talibé l'a dit, qui est sectoriel. Bien. C'est lui qui. Et d'ailleurs, il a plus d'éléments, les éléments de langage qui s'y est normalement pour répondre tranquillement. Et je ne pensais même, moi je pense qu'on avait même pas besoin de répondre bien à ça, parce que c'est tout à fait classique et normal. Et dans la foulée, le FNDC y a réagi. En tout cas, c'est Sekou Koundouno qui a sorti un texte là-dessus. Avant de l'avoir tout à l'heure en direct, Akumba, votre analyse rapidement sur cette sortie d'hier, cette conférence d'hier. C'est lamentable. Lamentable. Oui.
Mais je commence par dire que ce qui se ressemble, s'assemble, a-t-on l'habitude d'entendre, non? Que le colonel Amara apparaisse avec mon grand frère Ousmane Gawal, ce n'est pas surprenant. Ils sont tous deux impulsifs. Impulsifs quand il s'agit de questions stratégiques sur lesquelles il fallait réfléchir longuement et remuer la langue. Remuer la langue, pas sept fois, mais dix fois avant de se prononcer. Ils se ressemblent parce que, je ne dirais pas qu'ils sont arrivistes, mais ça a tout l'air parce que il me paraît qu'ils affichent souvent le désir de vengeance dans leur visage quand ils s'expriment. Je ne sais pas contre qui ils veulent se venger, mais je note que Amara a été, par le passé, quelque peu victime. Là, c'est le psy qui parle. Quelque peu, le petit journaliste. Oui. Le petit journaliste, mon cher ami. En tout cas, un observateur. Amara a été, en quelque sorte, un peu victime sous Dadis. Mm-hmm. Ousmane Gawal venait de la prison. Je ne sais pas s'il a rencontré un pichi pour verbaliser toute la souffrance qu'il y a subie. Mais ce qui est clair, c'est qu'un secrétaire général devait avoir secrétaire général de la présidence devait avoir le loisir d'appeler Kassibrou, d'échanger avec lui. Un secrétaire général de la présidence devait avoir le loisir, d'après messieurs le ministre des Affaires étrangères, d'échanger avec lui sur la question et de se faire conseil et de demander même quelles sont les orientations à prendre. Parce que le département des Affaires étrangères est le département spécialisé en matière de relations extérieures, en matière de relations de la diplomatie économique, et j'en passe. Un porte-parole du gouvernement avait toutes les facilités nécessaires d'échanger avec la CEDEAO et même avec des chefs d'État de la CEDEAO. Parce qu'il peut s'informer, il a le droit de s'informer. Bien entendu. Il a le droit de les contacter pour leur demander qu'est-ce qui signifie telle ou telle expression dans les propos que nous avons notés de tel cadre qui relève de votre autorité. Et il me semble qu'ils sont dans la dichotomie et c'est de la débrouillardise. Et cette débrouillardise va nous amener où? Certainement à agacer ceux qui devaient nous aider, parce que Kassibrou n'est pas venu hier dans la diplomatie. Mm-hmm. Kassibrou a ses relations personnelles, même en Guinée. Vous vous rappellerez de cette secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères qui est mitée à Abidjan, sauf erreur de ma part. Kassibrou à ses, je ne dirais pas ses informateurs, son mais réseau. Ses sources, ses contacts personnels en Guinée. Alors, comment est-ce qu'on peut répondre? C'est un ancien du FMI, de la BCAO. Comment, c'est un ami à Ousmane Kaba aussi, il me semble. Oui, ouais, Ousmane l'a dit ici. À Sidi Atouré. Ah, d'accord. Alors, Sidi, c'est presque non, l'Ivarien. Même Ousmane, parce que Kassibrou est diplômé. Ousmane l'a dit ici, en tout cas. Il est diplômé de l'université de Cincinnati, en tout cas, dans l'Ohio. Ousmane l'a dit ici. L'autre était du côté même de Boston. Même si j'interroge son calme Boston, là, actuellement, non, je n'entends plus mon professeur. Bien, oui. Bon, maintenant, pour terminer sur l'affaire de Amara et l'affaire de Ousmane Kaba, je pense Gawal. Que Ousmane Gawal, je pense que l'un est le neveu de l'autre, c'est pour ça que je fais l'erreur. Hein. Je pense que le colonel Mamadi Doumbouya a intérêt de diminuer un peu le discours va en guerre. Ça ne lui servira absolument rien. À rien. Tous ceux qui ont tapé la poitrine, Ousmane Gawal et Amara sont en train de faire le travail des filles de Danaos. Aidez-moi. Danaos, ces filles qui avaient été de la Grèce antique, qui avaient été obligées à remplir des tonneaux percés par le bas. Le tonneau de Danaïde. Et vous de là, vous risquez d'y plonger et d'y rester pour l'éternité. Faites attention, vous êtes assez jeune, vous avez encore de l'avenir devant vous. Épousez un temps soit peu de la sagesse. Bien. Et surtout, Amara doit aller à Bonfi, à Lambagni. Réfléchir sur son passé. Bien, merci Akumba. Diambaldé, là-dessus, cette sortie d'hier était-elle opportune? Encore dans la forme et le fond même, tout ce qui a été dit, est-ce que ce n'était pas du tout à côté de l'essentiel? Ça a été ce qu'on appelle du tac au tac, quoi, pour ne pas dire une réponse du berger à la bergère. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il faut mettre moins de passion et d'émotion quand on gère les affaires de l'État. Donc, un peu, on a besoin de diplomates genre Talleyrand de Napoléon. Et si vous voyez. Bien. Donc, le colonel
comment dirais-je, Amara, il n'avait pas besoin de tout le temps venir, comment dirais-je, surenchérir aux côtés de Ousmane Gawal. Ils ont quand même dit quelque chose. Cassie Brou ne devait pas s'exprimer sur le chronogramme avant la conférence des chefs d'État. C'est un peu le fil rouge de leur conférence, même s'ils ont mis son mandat aussi à, en relief. Dans la balance, mais est-ce que même cet argumentaire est compréhensible à dire qu'il devait forcément attendre la conférence des chefs d'État, parce que la conférence des chefs d'État annonce des décisions, sanctions ou pas, en tout cas vis-à-vis du pays. Mais alors que Cassie Brou a rappelé qu'il y a un principe. Oui, qui prépare l'opinion des chefs d'État, la conférence des chefs d'État. Mais c'est Cassie Brou qui a rappelé un principe. En fait, Cassie Brou, c'est l'aiguillère du ciel pour ces chefs d'État. C'est lui qui programme tout. Maintenant, il les conditionne. Bien. Que vous voyez. Donc, quelque part, ils ont dû être, comment dirais-je, choqué par sa sortie, mais quand on est homme d'État, c'est impulsif, voilà, quand on est homme d'État, on se met à la hauteur, on encaisse, on réfléchit, on rit même, on analyse, même si on est choqué quelque part. Et vous voyez. Donc je crois qu'il ne faut pas toujours aller dans des échanges à fleurets peu mouchetés avec ces gens qui peuvent nuire à la Guinée. La jeune aujourd'hui a besoin, on a eu à le dire dans nos éditos ici, que la médiation de la CEDEAO, c'est un moindre mal. Est-ce que vous voyez, avec ce qui se passe à l'intérieur, je ne dirais pas que ces politiques vont venir, que ça sera leur sortie, ça sera le déluge, mais quand même on a besoin d'apaisement pour que même si les 3 ans qu'ils ont demandé pour gérer ça, c'est si il y a la calmie. Sinon, même si il y a 10 ans, Alpha, il a géré la Guinée pendant plus de 10 ans, mais on a vu comment ça s'est passé. Bien. C'était vraiment chaotique. Bien. Il faut saluer ce que le CNRD est en train de faire depuis là, parce que soigner, comme je l'ai dit, ce grabataire de Guinée, où chacun privatise. Vous avez vu, même à la prison civile, le médecin il privatise les produits qui sont là-bas, il les vend. C'est guinéen. Il fait un service public. Quand tu veux maintenant changer tout ça, c'est difficile. Les gens, ils seront choqués. Bien. RT. Bien. Voilà. Oui, Mohamed Kaba là-dessus, non, rapidement. Mais très rapidement, le CNRD pense qu'il a la même cote de popularité que la junte malienne. Ça c'est trompé. C'est-à-dire, on fait du copier-coller sur la transition malienne. Et ce que le CNRD oublie, le président, monsieur Cassie Brou parle avec ses chefs d'État. Donc, c'est un langage diplomatique qu'il a utilisé. L'élégance a manqué dans la communication. La passion a dominé dans la communication du tandem Gawal et Amara Kamara. Et dire que Cassie n'est pas la personne qui peut ne soit pas la bonne personne, je crois qu'ils ont tapé pour tout comme on aime le dire. Et encore, le colonel Amara a mis tous les efforts à terre pour ne pas dire sous l'eau du ministre des Affaires étrangères qui était en train de mener une diplomatie souterraine. Oui, c'est vrai. Parce c'est que lorsque vous persécutez votre ministre des Affaires étrangères, encore que c'est lui. C'est lui qui est censé porter la voix. Akumba, vous mettez tous ses efforts dans l'eau. On peut bien reprocher des choses au ministre. Le prix Nelson Mandela, Dr. Maurice Andakouya. C'est son périmètre d'action. Je veux son vrai nom, pas le prix Mandela. Dr. Maurice Andakouya. On peut bien reprocher des choses à Dr. Maurice Andakouya. Mais c'est son domaine. Comme on peut reprocher à toute personne, mais ils ont même pris sa place. Là, c'est de l'usurpation. Ils ont tué tous ses efforts. Parce que Choumel Maïga au Mali a fait la même chose. On a vu le discours Vatanga, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ils font la courbette vers la CEDEAO. Il s'est retiré tranquillement. Retiré la Donc ça doit être une leçon aujourd'hui pour le CNRD. Ils n'ont pas besoin d'aller. Et je crois que Goïta a mis Souguel à sa place parce que c'est sorti là tout le temps. Évidemment. A insulté les partenaires. On lui a dit de se taire et de laisser le ministre des Affaires étrangères. Ceux qui ont mis le Mali à terre, c'est Choguel. On croit que le colonel va prendre la même décision, qu'il y a une communication vraiment structurée, harmonisée au sein du pourtant, il leur a dit. Le colonel leur a dit lors d'un des conseils des ministres d'harmoniser la communication et de la polir. Sauf que pour l'instant, on pense que ça ne se fait pas. Oui, Mamadou, il y a Jeune Afrique qui a fait un article sur un entretien que le président Ouattara, qui est arrivé à Paris le 14 mai, a eu avec Emmanuel Macron, en tout cas un entretien discret. Et dans l'article, les cas guinéens, maliens et burkinabés ont été abordés. Et voilà ce que Jeune Afrique rapporte, notamment sur les cas guinéens et burkinabés, un peu dans une sorte de comparaison. Parce que le cas malien est tout autre au regard justement des rapports vénéneux entre le Mali et la France. Et on dit, Ouattara et Macron ont également abordé le dossier guinéen. Le président ivoirien n'a pas caché
la préoccupation de ses pairs de la CEDEAO sur la tournure des événements à Conakry, où les relations entre le colonel Mamadi Doumbouya et la société civile se sont tendues ces dernières semaines. L'optimisme est davantage de mise au sujet de Burkina, où malgré l'absence de médiation officielle, les contacts sont plutôt fluides entre le lieutenant-colonel Paul Harry Sandaogo Damiba et les chefs d'État ouest-africains. Justement, parce que quoi qu'il arrive, même si vous avez adopté un chronogramme, ayez quand même l'amabilité, c'est de garder le minimum de rapport, le minimum de courtoisie, de bienséance dans les rapports. Je pense que le colonel Amara, je sais que on est un peu réputé épidermique sur les questions, disons, de souveraineté, de nationalisme et tout cela. Sans contenu. Mais je pense ça n'a jamais mené à rien. Ça n'a jamais mené à rien. Je pense c'est des grosses théories vides de sens. Je pense que il faut. Ce n'est quand même pas acceptable et compréhensible que les erreurs diplomatiques qu'on peut commettre au tout premier mois de la transition, qu'on continue à les commettre. Et 8 mois ou 9 mois après. Bien, je voulais juste préciser. Oui, on apprend très rapidement. Ça reste à vérifier. Il faut qu'on file. François Lucien Fall aurait été reçu à maintes reprises par le colonel Mamadi Doumbouya. Il reste à vérifier. Pourquoi? Donc ça veut dire quoi? Que le ministère des Affaires étrangères aura un nouveau locataire. Ça c'est clair. Ou pour redevenir Premier ministre? Non, même pourquoi Premier ministre ou aux Affaires étrangères? Mamadou, mais il est à Conakry, il est reçu souvent par. Et Christophe Bigot semble avoir été reçu par Mamadi Doumbouya. Et Christophe Bigot, c'est le monsieur Afrique du Quai d'Orsay. Diaraï, en une minute avant qu'on ne prenne Sekou Koundouno, on me dit qu'il est en ligne depuis Bruxelles, oui? Je pense que le duo colonel Amara et Ousmane Gawal, c'est le duo choc du gouvernement, puisque on remarque que dans toutes les sorties où il faut durcir le ton, on remarque la tête de ces deux personnes. Le langage n'a pas du tout changé. Je pense qu'à un certain moment donné, il faut savoir raison garder, puisque c'est une communication globale que Kassibrou a fait sur les transitions en général en Afrique. Bien. Et je ne trouve pas l'opportunité ou la nécessité pour ces deux de tenir une conférence d'aller à l'affront avec la CEDEAO. Il faut quand même faire très attention et moderniser quand même le langage quand même qui a été utilisé. Je pense que c'est un langage, à mon sens, qui n'est pas digne. Il est musclé. D'un responsable, il est musclé. C'est un langage de la rue. Bien. Il faut quand même modérer cela. Allez, on va aller directement prendre...